Pour fabriquer des pendants de Noël, voici ce qu'il vous faut. Un carton pas trop épais, toujours celui des boîtes de lait. Du papier calque. Un patron téléchargeable sur le site. Un scalpel ou un cutter. De la ficelle. Un stylo. Un crayon. De la colle liquide ou en bombe. Des pinceaux de différentes tailles. Des paillettes. Et de la peinture rouge acrylique. Premièrement, décalquez le pendant de Noël de votre choix. Et retracez-le sur votre carton. Puis placez une protection et découpez la figure avec une lame, sans oublier l'intérieur. Les deux figures que vous venez de couper peuvent maintenant être peintes. J'ai choisi le rouge car c'est la couleur qui rappelle Noël et qui fera contraste avec le vert du sapin. Pour le collage, voici deux alternatives. Celle de la colle en bombe, secouez votre bombe de colle et aspergez la figure sur sa totalité, puis saupoudrez les paillettes sans modération. N'ayez pas peur d'en mettre beaucoup, car vous pourrez enlever l'excès en tapotant la figure. Et l'alternative de la colle liquide en stick, à utiliser pour les surfaces plus petites et précises. Étalez la colle sur une zone et appliquez comme précédemment les paillettes en saupoudrant. Prenez ensuite votre paire de ciseaux et découpez 5 à 6 cm de ficelle. Pour la faire passer à travers le carton de la figure, prenez votre scalpel et formez une découpe en croix en enfonçant votre lame. Puis placez le bout de la ficelle sur le trou pour l'enfoncer grâce à la lame de scalpel. Formez ainsi un nœud et découpez les bouts pour les avoir plus lisses. Placez les pendants sur votre sapin en formant les mots Noël, Tintin ou ceux de votre choix.